pour son réalisme merveilleux, qu'est-ce qu'il voyait à l'origine? Les Indiens. Les Indiens, entre guillemets, c'est-à-dire les autochtones. C'est-à-dire les Siboney, les Arawaks, les Taïnos, les Caraïbes. C'est ça pour lui la base du peuple haïtien. C'est ça pour lui les grands piliers, non seulement les grands piliers de l'histoire du pays, mais les grands piliers de la culture haïtienne et les grandes sources dans lesquelles tout écrivain, tout peintre, tout artiste devait aller puiser quand cet écrivain, quand cet artiste, quand ce peintre veut bien que son œuvre soit bien enraciné dans la culture haïtienne. Sinon, selon Jacques, on passe à côté, on pédale à côté du vélo, on tourne autour de la plaque et on n'entre pas dedans, là-dedans, la culture haïtienne. Et ainsi donc, vous allez voir dans ses écrits l'importance qu'il donne aux Indiens dans son deuxième œuvre, par exemple, Les Arbres Musiciens. Gonaïbo. Gonaïbo, qui porte en même temps, qui est le personnage central, symbolique. Gonaïbo, personnage central, la couleuvre, Gonaïbo, enfant. Et c'est l'enfant Gonaïbo, c'est en même temps l'enfance du pays. Déjà dans les grottes, les tracés, les dessins de ces Indiens attiraient déjà le regard des Africains qui étaient émerveillés. Et dit-on que c'était des vévés qui ont servi déjà quand une cérémonie de vaudou se tenait quelque part. Cette cérémonie vaudou ne pouvait donc pas commencer sans déjà la présence de ces vévins. Et dans les onforts, il y a le P, l'hôtel. Si au bas du P, il n'y avait pas un vestige indien, le P n'était pas sacré. Donc c'est pour montrer encore l'importance de l'indien dans notre culture. Et j'ai retrouvé ça merveilleux. Et encore les indiens, même dans le carnaval, ce sont les indiens qui sont en tête des défilés carnavalesques. Et moi, enfant, j'étais émerveillé de voir ces Indiens en tête des défilés carnavalesques. Et c'est merveilleux, la façon dont ils s'habillaient, etc. On avait comme envie de rêver, comme je l'ai écrit aussi dans un des poèmes, quand je disais dans un des poèmes qui avait pour titre, que je vais publier aussi, ce des poèmes que j'avais écrits à 17, 18, 19 ans, je vais les publier. Je trouve en les lisant que ça ne manque pas de saveur. Que la saveur reste encore. Hein? Et j'ai dit un moment, dans le titre du poème, c'était quoi? C'était Tonton Macoute, voleur de rêves. Tonton Macoute, voleur de rêves. Et je raconte là-dedans, c'était la période de la grève des étudiants, à mon retour de l'Union soviétique et de la Chine populaire. Et on me cherchait, moi j'avais pris la fuite, et les Tonton Macoute sont rentrés dans la maison, ils frappaient mes tantes, ma mère. Et mon jeune frère qui est actuellement en Argentine a été frappé, mais vraiment blessé et tout. Il est en Argentine jusqu'à présent, il est traumatisé par ce qui s'était passé. Et les tontons Macoute, après avoir tout saccagé chez moi, il y avait une vieille pendule comme je disais dans le poème, une vieille pendule qui faisait tic-tac toute la scène de bonne journée, comme je disais. De belle journée, de 6h du matin jusqu'à 6h du matin, toute la sainte journée, de belle journée. Et les tontons Macoute sont partis avec. Et c'est comme s'ils sont partis avec un rêve à moi. Et après, quand je suis retourné à la maison, la pendule n'existait plus. Et moi, je continue à rêver de cette pendule.
C'est comme si cette pendule continuait encore dans son tic-tac-tic-tac et jusqu'à présent. Donc, le merveilleux, c'est ça, chez Alexis aussi. Chez Alexis surtout, c'était ça l'Indien dans Gonaïbo. C'était cette alliance entre l'Indien et l'Africain, comme il parlait d'une nouvelle race, la race des Zambos. Comme si les Zambos étaient une sorte de... Cette alliance, ce fruit de l'Indien et de l'Africain, ces Zambos, dit-on, qui a donné lieu à une sorte de beauté haïtienne qu'on appelle le marabout. Le marabout chanté par... Le marabout de mon cœur, tu es mon bœuf salé, acacia au sirop qui coule dans ma gargoine, etc. On chante le marabout. C'est un type de beauté aussi, mais c'est un mélange africain et d'indien, selon Jacques. En général, on fait toujours une relation, quand on parle de Gaïs Merveilleux, on voit toujours Garcia Marquez. Pas que je ne méprise pas le... que je ne diminue pas, que je minimise l'apport important de Cien Años de Soledad dans le réalisme merveilleux. Mais je crois qu'il faut aller encore plus en avant. Il faut aller encore vers ce grand auteur mexicain qui a écrit le grand qu'on considère justement à la source du merveilleux, de ce courant littéraire du réalisme merveilleux, qui a écrit Pablo Páramo. Cette œuvre est considérée comme une œuvre, je veux dire, comme une œuvre clé qui a ouvert la porte du réalisme merveilleux. Páramo. Le mélange entre le rêve et la réalité est fait de telle façon qu'on se perd là-dedans, qu'on ne sent pas toujours quand est-ce que commence le réel, quand est-ce que le merveilleux entre dans le réel ou le réel dans le merveilleux. Remarquez bien que si le surréalisme a pris naissance entre les deux guerres, le réalisme merveilleux n'avait pas besoin de guerre pour exister. Parce que je ne sais pas si je m'explique clairement là. Et c'est la guerre qui a provoqué ça. Et la guerre a provoqué une sorte, a tellement ravagé la vie humaine et a créé une situation de révolte. Tandis que dans le réalisme merveilleux, il n'y a pas de révolte. Il y a une sorte de contemplation, mais pas une révolte. Donc, il y a une sorte de révolte dans le surréalisme. Enfin, un aspect, c'est pour faire cette démarcation entre réalisme merveilleux et surréalisme. Le surréalisme est en même temps la révolte. Mais c'est en même temps le refus, en même temps, un refus. C'est quel refus? Le refus de ce capitalisme, de l'impérialisme guerrier, si vous permettez l'expression. Tandis que chez le réalisme merveilleux, il n'y a pas un refus. Il y a plutôt une recherche de l'émerveillement, du rêve. On va retrouver le rêve dans le surréalisme, mais c'est une autre catégorie de rêve. C'est le rêve débridé. Parce que cette nouvelle jeunesse a été comme désaxée par cette guerre. Fils de bourgeois ou de petits bourgeois ou de n'importe quelle classe sociale, tous ils avaient vécu une situation de fin du monde. Et ils étaient entrés
comment je peux dire, en révolte contre ces sociétés-là. Ils étaient contre ces sociétés-là. Et il n'y avait pas d'autre façon pour se venger contre ces sociétés-là que de ne pas marcher sur ces... encore pour ne pas continuer à marcher sur les traces de ces sociétés, mais bien d'aller à l'encontre de ces sociétés-là. Ainsi donc, c'est la révolte. Ainsi donc, c'est Uburoi. Hein? Mm-hmm. C'est Uburoi qui, Alfred Jarry, c'est ça? C'est Uburoi qui dira merde à cette société-là en même temps. Alors, n'oubliez pas sa pièce, hein? Hein, Uburoi, ça commence par merde. On vivait une situation merdique. Et on comprend cette merde chez Breton. On comprend cette merde chez Uburoi. On comprend cette merde chez tous ces surréalistes. Et ce besoin d'individualisme aussi en même temps. Car la collectivité, si vous voulez, surtout cette collectivité avec cette société qui défendait cette société bourgeoise qui avait fait faillite, ce fascisme qui, au lieu de résoudre les problèmes même du peuple allemand ou du peuple italien, a troublé les eaux. On se laisse aller contre toutes les règles, contre toute morale. C'est quoi les règles? C'est quoi la morale? Quand les gens qui se disaient morales, quand l'Église chrétienne a participé vraiment de plein pied dans cette affaire, dans ces deux guerres mondiales, comment parler demain et après ces guerres-là? Comment parler encore de la morale chrétienne? C'était le refus de la morale chrétienne. C'était le refus de l'État capitaliste. C'était le refus du capitalisme. Eh bien, tandis que le réalisme merveilleux, il n'y a pas de refus. C'est plutôt une acceptation du bonheur. C'est plutôt une recherche du bonheur. C'est plutôt une recherche de l'art de vivre, si je peux dire. C'est plutôt la vie dans ces dimensions merveilleuses. C'est ce que cherche un réalisme merveilleux. Mais en même temps, comme on dit, réalisme, ça a l'air merveilleux. L'écrivain ne peut pas non plus ne pas avoir ses deux pieds sur terre. Car le merveilleux en même temps, c'est en même temps le côté, si vous voulez, féerique. Mais il y a la terre. Chez Jacques, c'est pourtant la terre. C'est bien. Il y a la terre. Il y a les fleuves, il y a l'Artibonite, il y a les forêts. Il y a tout ça. Il y a cette couleuvre. Il y a les arbres. Même quand ça chante, mais ce sont des arbres. Il y a l'intervention, l'occupation américaine. Ça, c'est le réel aussi. Il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a l'exploitation. Ça, c'est aussi le réel. Et il y a aussi la lutte des classes. Il y a la tyrannie, il y a la dictature. Il y a la lutte que les hommes doivent mener contre la dictature. C'est le réel. Mais tout ceci s'est mélangé dans le merveilleux pour donner au lecteur ce besoin ou cette nécessité ou cet engouement d'entrer dans le réel. C'est comme si le merveilleux permet au lecteur... C'est un tremplin. Hein? C'est un tremplin. Un tremplin pour arriver mieux dans le réel, pour peut-être comprendre mieux le réel et comprendre mieux le besoin de lutter. Car la vie est belle. Et n'oubliez pas que la vie est belle, ça vient d'un grand communiste turc, Azim Hikmet. Azim Hikmet a lancé cette phrase le plus simple, la vie est belle, quatre mots. Ouais. Et cette la vie est belle est devenue,
à faire un grand film. On a fait un grand film. Et un film en même temps. Benigni. Oui, il ne faut pas jamais rompre avec notre enfance, comme je disais, avec notre passé. Et individuellement, nous portons en nous notre enfance. Et le jour où nous perdons cette enfance, nous ne sommes plus rien. Vous voyez bien, comme pour un pays, si nous perdons contact avec notre passé, notre enfance, avec les Indiens, ceux qui nous concernent, eh bien, nous n'avons plus de pays, nous n'avons plus d'avenir. Et ainsi, la guerre est là, d'un côté. Le merveilleux est là, et tout le jeu du papa avec l'enfant. C'est tout ça, c'est le merveilleux. Le jeu, j'y ai eu. Ouais, le jeu, j'y ai eu. Le combattant, lui, qui continue à mener sa lutte. Mais en même temps, il poursuit là, sa lutte. Il est dans la guerre. Sa conviction reste ferme. Et devant la mort, il est resté encore très ferme. Et ça me rappelle aussi ce grand Indien. C'est une enfance extraordinaire pour moi. Ce grand Indien, comment il s'appelle déjà? Suivez ça, hein? Ce grand Indien. À Troué, quelle image! Quand j'étais maire de Port-au-Prince, j'ai campé à Troué dans mon carnaval. Et à Troué, quand on disait à Troué de se convertir chrétien, à Troué disait non, j'ai aussi mon Zemes. J'ai aussi mon Zemes. Et là, les Espagnols insistaient. Et c'est intéressant, tout son attachement à son Dieu Zemes. Et c'est important aussi, c'est le côté religieux dans le réalisme merveilleux. Le voodoo, les croyances des Indiens, les croyances des Africains, il faut en tenir compte. Ça fait partie aussi du réalisme merveilleux de Jacques Alexis. Car dans Gonaïbo, dans les arts musiciens, on voit aussi le rôle de la religion. Mais il oriente ça, parce qu'il est un réalisme, mais un réalisme marxiste. Et à l'époque, comme il y avait, un bourgeonnement des prêtres catholiques et haïtiens, des prêtres indigénistes, ouais. Et Jacques a bien joué sur ça. Et le roman reste très indigéniste, très nationaliste. Mais un nationaliste qui transcende, justement. Mm-hmm. Qui ne reste pas un nationalisme ni à la manière du valériste, ni à la manière du fascisme. Car le fascisme aussi est nationaliste. Il transcende ce nationalisme pour déboucher à un nationalisme révolutionnaire et à un nationalisme qui doit nous conduire à une main dans la main de la grande ronde fraternelle de l'internationalisme communisme. C'est ça, j'analyse. Ce lien, c'est que d'abord le père n'était pas un marxiste. C'était un grand progressiste, un grand roman, en fait. Un homme éblouissant, un grand intellectuel. Qui a lutté contre l'occupation. Lutté contre l'occupation. Et là, on va voir toutes les traces du père dans Jacques, en commençant par son nom. Jacques, c'est toujours Jacques Stéphane Alexis. Et ainsi donc, l'anti-occupation américaine qui est fort chez Jacques, qu'on retrouve dans les arts musiciens, mais de façon merveilleuse. Quand les Américains entrent dans le pays en 1915, débarquent en Haïti en 1915, et coupent les arbres, coupent les pins. Mais les pins chantent. Vous voyez bien, le réel et le merveilleux, ça marche ensemble chez Jacques. Mais les pins chantent, et c'est vrai. Pour celui qui connaît les chansons de cette forêt, quand la forêt existait en tant que grande forêt, plus grande forêt d'Haïti, et la forêt chante. Et les Américains coupent les arbres. C'est comme si ces Américains
comme les tontons Macoutes qui sont entrés chez moi pour prendre cette horloge. Ils sont entrés dans le pays pour nous enlever notre âme. Ils débarquent au pays, ils entrent au pays pour nous enlever notre âme, notre musique, nos rêves. C'est ça, les arts musiciens. C'est un beau roman. Les grands, ou encore le haut clergé, c'était lié aussi au haut gradé de l'armée haïtienne, lié aussi à l'impérialisme américain international. Et à l'époque du rejeté, c'était aussi autre forme de tentative pour nous enlever notre âme, pour nous enlever nos rêves. Et c'est ça, les arbres musiciens. Quel symbole! Et les arbres, ce ne sont pas seulement des arbres. Les arbres sont des hommes, disait Alexis. Ils fleurissent à la belle saison. Et ce texte est beau, qui est présenté, qui était présenté dans un de ces livres. Alors, je ne sais pas dans quel livre. C'était très beau, je ne le vois plus, hein, ce texte. Quand c'est un texte présenté peut-être par Roger dans un roman là, de Jacques Roumain dans le grand roman de Jacques Roumain. Hein, la préface du gouverneur de la Rosée. Du gouverneur de la Rosée. Ouais, c'était présenté aussi par Eugénie Galperina, que j'ai rencontré avec Jacques, qui était plus âgé que Jacques à l'époque. Et quelle femme! Et c'était la présidente de la Maison des Écrivains. Et elle m'a traduit en russe, elle a traduit mes poèmes en russe, du créole étant, hein, en russe. Elle parlait créole. Elle aimait beaucoup Jacques, elle prenait Jacques pour un petit garçon. Je me rappelle quand ils s'étaient rencontrés, c'était la fête. Et ainsi donc, c'est ça, c'est pour faire encore la différence avec le surréalisme. Mm-hmm. C'est l'écriture automatique chez les surréalistes, mais pas non, chez Jacques. Mais non, on n'a pas cette écriture automatique chez Jacques, mais non. C'est une écriture bien forgée. C'est une écriture bien mûrie, bien forgée. Et en même temps, ces romans, ce n'est pas une rupture avec la tradition romanesque. Tandis que chez le surréaliste, oui. C'est pour ça qu'on fait la démarcation. Car les romans de Jacques, c'est comme, en même temps, pas tout à fait. Mais c'était aussi peut-être Zola ou Victor Hugo. Vous voyez bien ce que je veux dire? Il n'a pas rompu avec la tradition romanesque. C'était aussi, c'est aussi des communismes de d'Aragon. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est aussi les beaux quartiers d'Aragon. Il n'y a pas vraiment une grande marge de différence. C'est lié au passé. Et c'est ce qui fait aussi pour moi la force d'Aragon, non seulement dans ses romans, mais aussi dans sa poésie. La poésie d'Aragon remonte au Moyen-Âge, remonte à l'enfance de la France, remonte au Moyen-Âge, et Jacques a suivi ce parcours. Et c'est là aussi le rapport entre Jacques et Aragon et Édouard, et surtout avec Aragon. Jacques, c'est aussi le romancier, comme il disait, de la grande amour humaine. En général, dans la langue française, on dit amour au féminin quand on dit ça au pluriel. Mais il l'a dit au féminin, la grande amour humaine. Mais n'oubliez pas, dans le Moyen-Âge, les trouvères parlaient aussi de la grande amour au féminin. Chez les trouvères, n'est-ce pas? On parlait aussi de la grande amour humaine. Et Jacques n'a pas rompu, il n'a pas enlevé même un petit maillon dans le romanesque, dans le grand romanesque, si vous voulez, occidental. Il est resté en même temps un occidental, en conservant cette tradition. Jacques n'avait pas une lutte à mener contre l'Occident. Non. Car pour moi, c'est ridicule. Chercher une originalité en rompant avec un passé, ça n'a pas de sens pour moi. Mais, comment je peux dire, en s'abreuvant de toute
la culture internationale. Jacques est à la fois romancier français, romancier latino-américain, romancier africain, romancier chinois, romancier je ne sais quoi encore. Jacques est un romancier du monde, est un romancier international. Vous voyez bien ce que je veux dire? Donc, il n'a pas non plus négligé l'apport du surréalisme. Attention, je ne l'ai pas dit. Quand Breton est arrivé en Haïti, Jacques était là aussi. De Pès, Saint-Armand, Édric Saint-Armand, qui a fait le bon jury. Loncourt, ils étaient là pour accueillir Breton et le directeur de l'Institut français de l'époque, je Pierre Mabille. Hein? Pierre Mabille. Pierre Mabille, Mabille. M-A-B-I-L-E, va bien. Pierre Mabille, va bien. C'était extraordinaire. Et il y avait des peintres là aussi, étrangers, surréalistes hein, qui venaient. C'est un grand mouvement, le mouvement surréaliste. Jacques n'a pas non plus, je peux dire, ils étaient ceux-là qui accueillaient les surréalistes. Et comme vous le savez, ces surréalistes, à l'époque de Lescaut, faisaient trembler le gouvernement de Lescaut. Car la révolte surréaliste, à un moment où le jeune marxiste comme Alexis de Pestre et Tant Blancourt menaient une bataille aussi marxiste, créateur du journal La Ruche, et fonçait. Donc, ils ne sentaient pas une différence entre eux, marxistes, et les surréalistes qu'ils accueillaient. Ils allaient y avoir rupture en France, par exemple, en surréalistes et communistes, car à un certain moment, les communistes comme Aragon, Éluard et d'autres encore allaient rompre avec le surréalisme. Et de là, c'était à partir de ce moment-là, le réalisme déjà socialiste, c'était pour rompre avec le surréalisme. En même temps, les révolutionnaires communistes voulaient plutôt arriver à créer des révolutionnaires et non des révoltés, car ils n'allaient pas plus loin que la révolte dans les surréalistes. Très bien, c'est à peu près pour parler d'une certaine divergence entre surréalistes et marxistes à l'époque, Aragon, par exemple, Éluard. Mais Éluard quand même continue à tendre la main. Au surréaliste, il a même un de ses poèmes, quand il tend la main à ses amis surréalistes en disant il faut aller plus loin, il faut aller vers la révolution, il ne faut pas rester dans la révolte seulement. C'est à peu près ça ce que Éluard voulait dire dans un de ses poèmes quand il tendait la main au surréaliste. Mais cette écriture surréaliste a permis de faire des découvertes extraordinaires. La descente dans les profondeurs de l'âme. C'est ça, pour moi, qui est intéressant aussi chez le surréaliste. Oui, donc déjà, De Pès et Alexis militaient dans deux partis politiques de la gauche haïtienne qui s'envoyaient des boulets rouges. Déjà. Dès le début de ces deux organisations politiques. La tendance, c'était d'accuser, la tendance du côté des gens du PEP, c'était d'accuser les membres du PPLN de sombrer dans l'idéologie noiriste et du valériste. C'était parmi les reproches, par exemple. Ensuite, la question a évolué. De Pès est entré en Haïti, paraît-il, je n'affirme pas, sous l'invitation de Duvalier. Très bien. Alexis est entré avant, mais autrement.
de son propre crime. Ça, c'est une première chose. Et on avait tendance à ce moment-là à critiquer de peste les gens du PEP pour dire qu'ils étaient plutôt de souche du valériste. De peste, dans un des articles écrits par lui, disait combien le dictateur, le tyran, François Duvalier, l'impressionnait. Il l'impressionnait, qu'il le voyait lire, qu'il le voyait. Il était comme impressionné par ce monsieur. Dans un premier sens, l'impressionnait de façon pas positive, comme je veux dire, mais l'impressionnait. C'est comme s'il avait une sorte, un certain égard pour ce grand médecin qui voyait en lui un intellectuel. Et par la suite, il va voir, il y avait une sorte de complaisance. Et je ne veux pas citer d'autres noms, je ne veux pas que cette polémique continue. Pour moi, ça a toujours été très mauvais. Je considère Dupes, moi personnellement, comme celui, comme un écrivain qui a eu un parcours. Et Jacques Alexis a eu un autre parcours qui n'est pas le même que le parcours de Dupes. Et ce n'est pas à partir du parcours d'un écrivain, quel que soit ce qu'il rencontre sur sa route, que je vais moi-même me positionner pour en faire son éloge ou pour le, comment je veux dire, ou pour mépriser ou pour anéantir son art, son talent et ce qu'il a comme apport dans la littérature et dans la culture de mon pays. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est comme le grand livre là de Dos Passos que j'ai lu ici à Montréal chez mon fils Dimitri. J'étais venu ici aussi pour travailler avec Dimitri dans son film. Et je suis tombé sur Dos Passos, sur le gros roman de Dos Passos, ce roman qui s'appelle ISA, un gros roman, je ne sais pas combien, si ça n'a pas plus que 1000 pages. Des fois les gens ont peur des gros romans. Moi non, quand il y a un gros roman, un gros livre, moi j'aime bien, je ne vais pas le lire tout de suite, donc je ne vais pas le lire page après page pour le terminer tout de suite. Je peux rester 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je l'aurais lu. C'est ça qui est important pour moi. Je l'aurais lu. Moi, j'ai lu ISA de Dos Passos. Et ça me fait, ça me donne des idées. Car c'est un grand écrivain. Qui peut contester le fait que Dos Passos soit un grand écrivain? Alors, si vous êtes de la gauche, vous allez dire oui. Si vous êtes un anarchiste, vous allez dire oui, Dos Passos était un anarchiste. Oui, il était. Si vous êtes un marxiste communiste, vous allez dire, mais Dos Passos était un communiste. Mais oui, il était. Si vous n'êtes qu'un démocrate à la manière des démocrates américains, et un démocrate dans le sens très large du terme, vous allez dire oui, mais Dos Passos était un grand démocrate. Et dans sa trajectoire, dans son cheminement, avant de mourir, il est tombé dans les bras des républicains. Ça n'enlève rien à sa création. Il reste un grand écrivain américain qui est passé par toutes ces phases-là. Pareil pour de peste. Alexis n'a pas vécu longtemps. Je ne dis pas que s'il avait vécu longtemps, il aurait, par exemple, terminé dans, je ne sais quoi, dans les bras de l'impérialisme ou des trucs comme ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas prédire des choses comme ça. Mais il est terminé, il a terminé sa vie en combattant
révolutionnaire marxiste. Ce sont des parcours différents. Lui, Alexis, n'a jamais écrit un créole, comme des pestes. Lui était un grand fanatique de la révolution cubaine, de la révolution russe, comme des pestes. Mais à un moment, des pestes a rompu avec les Cubains. C'est des choses différentes. Mais Jacques, dans l'espace de ciment, on sent toute l'affection de ce monsieur pour Cuba. Car un roman très particulier, car dans ce roman-là, les deux protagonistes ne sont pas haïtiens. El Gaucho et la Nina Estrelita, ce sont des Cubains. Et donc, de peste, et non, ce que je veux dire, donc, dans l'espace de ciment, El Gaucho, c'est le syndicaliste. El Gaucho était le père partisan de Jesús Menéndez. El Gaucho est arrivé en exil en Haïti. Il n'était pas haïtien. Il ne connaissait pas un mot de créole. Il ne connaissait pas la culture haïtienne. C'était l'exilé économique. Non, disons c'était l'exilé politique, le partisan de Jesús Menéndez. Tandis que la Niña, c'était l'exilé économique, la misère. Elle a vécu dans la misère en Cuba, dans cette Cuba de Machado. Elle a pris la fuite pour venir ici comme prostituée, comme disait De Peste dans son premier poème, il ne veut plus en entendre parler. Et finalement, parler de cette fillette de 16 ans, née, n'est-ce pas, sous les belles étoiles, et qui de colline en colline, de hameau en hameau, jusqu'à la ville voisine, et qui a terminé comme prostituée de ce métier vilain qui enlève la vie, comme la mer enlève le sable. Mais Jacques, dans la Niña, ne voyait pas ce métier vilain qui enlève la vie. Mais non, Jacques voyait dans la Niña une femme, un être humain qui cherche sa vie et qui vend ses plaisirs à tous et qui, en retour, n'en recevait rien pour elle, la Niña. Elle n'a jamais pu arriver à l'orgasme, à ce grand plaisir dans l'amour. Elle n'a jamais pu arriver à l'orgasme. Et en même temps, la Niña, c'est le symbole d'Haïti. Tout est symbolique, tout est allégorique chez Jacques Alexis. C'est un créateur de personnages. Ce respect que Jacques a eu, et pour toutes les classes sociales, pour toutes les catégories sociales. Et j'ai appris moi-même à avoir un grand respect pour la prostituée. Je n'ai jamais regardé une femme, quel que soit ce qu'une femme fait de sa vie, comme une personne méprisable. Et Jacques, c'est ça dans son roman. Il n'y a pas beaucoup de romans hein, qui ont traité une femme prostituée comme ça. Mm-hmm. Des fois, c'est traité avec une certaine pitié, oh la pauvre, elle est morte de tuberculose, etc. Tu vois, la pauvre prostituée, finalement. Mais non, Jacques voit que c'est une femme humaine. Une femme qui possède en elle aussi l'amour dans son cœur, qui possède aussi l'amour dans son cœur, mais qui cherche l'amour, qu'on lui refuse. Et en même temps, c'est Haïti. Nos biens partent là-bas. Hein? Les grandes puissances viennent rendre, boire notre sang, rendre nos biens, notre bauxite. Dans Anita, je l'ai montré aussi. C'est bien. Ces loups-garous qui viennent de notre monde. Et ainsi donc, la conclusion, ça n'a pas terminé comme dans le poème de De Peste, finalement. Elle est morte de la prostitution, de ce métier vilain qui enlève la vie comme la mer enlève le sable. Ça n'a pas été pour dire c'est un métier vilain. C'est un métier. Parce qu'elle gagne sa vie avec. Elle cherche
l'amour qu'elle a trouvé dans El Gaucho. J'aime l'espace de Simon et j'aime les arts musiciens, mais quant à l'espace de Simon, c'est un autre amour. Je sens. C'est le style, c'est un autre j'ai style. J'ai plusieurs amours hein, pour les romans du genre. Pour Compagnie en Soleil, là. Pour les arts musiciens, oh mon Dieu. Pour. Donc j'ai plusieurs amours. Ce sont mes petites adultères. Hein, en ce qui a trait à mes grandes amours pour les romans du genre Alice. C'est que le roman se termine avec ce grand amour entre Alexis et entre El Gaucho et la Nina. Et l'orgasme. Et l'orgasme en même temps qui passe d'après moi. Je ne sais pas si on a dit comme ça. C'est la révolution. Et le jour où ça se fera, ce serait la grande réjouissance de tout le peuple, de toute la Caraïbe.